J'ai libéré les prisonniers du campement militaire. Il y en avait trois! Tu les as tous eus? Oui, les trois. Aussi chevelus que des œufs. Alors, tu dois être plus doué que tu n'en as l'air. Dans ce cas, Diona a encore besoin qu'on lui rende un service. Quelqu'un doit mourir. Je t'écoute. Les ennemis de Diona ont des hommes sur l'atoll de Kitra. Ils comptent utiliser ce lieu pour lancer des attaques contre Citer. Il faut que tu éradiques cette vermine. Tu veux m'envoyer seul sur une île qui grouille d'ennemis? Oh! La nouvelle championne de Diona aurait-elle peur? Attention à tes paroles. Bon, assez bavardé. Elle veut que tu élimines le capitaine là-bas. Ensuite, ses hommes se disperseront. Mais tu les quand même tous. Tu es d'accord? Le capitaine? J'ai tué un homme en tenue flamboyante, il n'y a pas si longtemps, près d'une épave. Ça lui ressemble bien. Faire le pan pour essayer d'attirer le regard de Diona. Tiens, prends cet argent et va-t'en. Je n'ai plus besoin de tes services. Un instant. Tu as combattu le culte pour le compte de Diona. Dis-moi tout ce que tu sais sur ces gens. Quel culte? Le capitaine n'en fait pas partie. Ça pourrait être un dieu. Je m'en fiche. Diona dit qu'il veut sa mort parce qu'elle l'a repoussée. Et que le seul moyen pour nous d'être ensemble, c'est que cet homme disparaisse. C'est ce que tu cherches aussi, non? Obtenir ses faveurs. Je suis là pour anéantir le culte de Cosmos. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à la prêtresse ou à ta jalousie. Arrête avec cette histoire de culte. Personne ne peut résister au charme de Diona. Et personne ne choisirait un nom pareil. Le culte de Cosmos, c'est ridicule. Sincèrement, tu m'ennuies. Va, fiche le camp. Et ne t'avise pas de retourner voir Diona. Sinon quoi? Sinon, je... Ah! Va-t'en! Ils ne ressemblent pas à des membres du culte. On dirait plutôt des mercenaires bien payés.